Je suis venu avec mon collègue des Nations Unies, avec mon collègue allemand et mon collègue de Danemark, parler d'un projet de conférence humanitaire qui sera organisé fin octobre au Danemark, à Copenhague. Notre but, c'est de réunir des moyens et de discuter de l'aide humanitaire. Nous estimons que au Sahel, particulièrement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il y a des besoins humanitaires pour 10 millions de personnes. Et donc notre but, c'est de réunir les hauts responsables politiques pour réunir un maximum de moyens pour répondre à ces besoins. Le Covid-19 a augmenté les besoins en termes de coopération humanitaire. On vient aussi de parler avec le Premier ministre de l'éducation. Nous allons travailler avec nos collègues maliens, avec le gouvernement aussi du Niger, avec le gouvernement du Burkina Faso pour préparer cette conférence au mieux, pour alerter, mais aussi pour obtenir des réponses de toute la communauté internationale pour les besoins qui se manifestent. Et donc j'ai obtenu de la part Premier ministre l'assurance qu'il y aura une totale coopération de la part du gouvernement pour préparer au mieux cette conférence.